Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous avez eu des bonnes fêtes de fin d'année et que votre année 2023 sera meilleure que celle qui vient de se terminer. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Voilà. De mon côté, comme vous avez pu voir, il n'y a pas trop de vidéos en ce moment, simplement parce que je n'ai pas forcément de besoin ni d'envie, on va dire comme ça, dans le sens où j'ai ce qu'il faut. Ce que je vais vous montrer, c'est depuis ce moment, en sachant qu'il me manque peut-être une ou deux cousettes plutôt été qui sont rangées et que donc je ne pourrais pas vous montrer là aujourd'hui puisque je ne les ai pas sorties. La plupart des patrons, vous les aurez déjà vus sur la chaîne. Quelques-uns, pas du tout. Donc, trêve de blabla. Pour celles qui sont là depuis le début de la chaîne, merci d'être là. Merci de vos petits mots sur Instagram. Je sais que certaines d'entre vous étaient un peu inquiètes par rapport au fait qu'il n'y avait pas de vidéo et comment j'allais. C'est très gentil, en fait, de vous inquiéter. Ça va, en soi. Toutefois, cette tendance à ne pas avoir beaucoup de vidéos probablement va continuer puisque je compte reprendre mes projets que j'avais mis en pause en 2019 à cause du transplant et du Covid et que j'espère mener à bout. Pour les personnes qui viennent d'arriver, il y en a quelques-unes, merci d'être là aussi, bienvenue. Je suis Anna, si vous êtes là, possiblement vous savez déjà qui je suis, n'est-ce pas? Une couturière avec un peu plus l'année précédente d'expérience. Sur cette chaîne, je parle surtout de couture grande taille, mais ça probablement vous le savez déjà. Si vous avez des idées, des commentaires, vous savez aussi que les commentaires sont là pour ça. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'humour et la chose à laquelle je tiens, c'est la bienveillance, c'est le principe. Alors, vous me verrez peut-être un peu fatiguée, en manque d'énergie, avec une luminosité en plus qui n'est pas idéale. Bonjour, on est pas mal dans cette situation. manque d'énergie, pas dû à la luminosité, mais parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, n'est-ce pas? Et que la première fois, j'avais genre la tête coupée là, donc c'était pas possible. Et j'ai fait donc la première fois debout, ce qui m'a quand même fatiguée pas mal, puisqu'il y avait pour 2 heures. Je vais essayer de faire plus court, je vous rassure, et dû à ça, allons-y pour les coutures. Le premier patron, c'est un patron que vous avez déjà vu sur cette chaîne, c'est la veste Drew de Fibre Mood. J'avais parlé précédemment dans une vidéo où j'avais aussi cousu Drew que j'aurais aimé avoir une version en jean. C'est chose faite. La voici. Alors, vous verrez pas grand chose parce que le jean, il est plutôt foncé, comme vous pouvez voir. Ça, par contre. Je crois que par rapport à la précédente version, j'ai retiré le rabat de poche, je suis pas sûre. J'ai pas entoilé, j'ai pas utilisé d'entoilage ou que ce soit, puisque le tissu il est épais, en plus il est un peu enduit, donc il n'y avait pas besoin. Comme d'habitude, à l'intérieur, nous sommes sur une cousette qui ne nécessite pas de surjeteuse, puisque j'ai le zigzag de ma machine à coudre. Certes, c'est pas aussi propre, mais c'est suffisant. Les boutons que vous voyez, c'est des boutons jean qui viennent de chez AliExpress. Ma foi, ils tiennent bien dans le temps. Je l'ai porté quelques fois, je ne l'ai pas encore lavé. L'autre modification que j'ai faite, c'est les poches que j'avais déjà fait dans la version précédente. La seule chose que je peux dire qui me plaît moyen avec cette veste, c'est la tenue du tissu qui est un peu rigide en fait. Je sais pas si vous voyez comment ça se plie. Il fait un peu de bruit et en plus la couleur, je saurais pas vous la définir puisqu'il est un peu verdâtre,
verdâtre, verdâtre, renvoie de la couleur. On est sur un jean entre le noir et le bleu foncé, mais à vrai dire, je ne saurais point vous dire la couleur. Je ne sais plus où je l'ai acheté, donc je ne pourrais pas vous donner plus de détails. Pour la veste Drew, vous savez que Fibromood va faire des patrons grande taille, sinon j'en parlerai pas ici, bien sûr. Ou en tout cas, je donnerai des précisions comme quoi j'ai fait des modifications. C'est pas ma première veste Drew, donc j'ai pas eu de difficultés en soi. Et j'ai pas fait de modifications. La taille que j'ai fait, c'est le double XL, en sachant qu'elle va jusqu'au triple XL. Le patron, c'était un PDF, donc j'avais déjà les marges comprises. J'ai pas eu à les rajouter. Ma foi, c'est une veste que je peux pas dire elle me plaît ou elle me plaît pas. En fait, c'est une tranche de pain de mie. Voilà. Je verrai comment ça va évoluer au niveau du tissu. J'espère qu'il va perdre en fait ce tombé un peu rigide qu'il a avec le temps. On verra bien. Je l'ai porté, mais pas tant que ça finalement en fait. Parce que on a eu des changements de température quand même assez extrêmes, on va dire comme ça. Et en fait, les vestes de mi-saison, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de les porter. Bon, après, je ne sors pas forcément des longues périodes. Je ne sors pas non plus forcément tous les jours. Ça m'arrive que j'ai un ou deux jours dans la semaine où je reste dans la maison, en fait. Je ne sors pas forcément. Et puis, si je sors souvent, c'est pour prendre la voiture puisque je vais faire des choses qui sont plutôt hors centre-ville. Donc, vous comprendrez que je ne prends pas tant de froid que ça. Si froid, il y en a. Oui, quelques jours, mais... Voilà, là actuellement je suis en Alors le prochain patron c'est un vu et revu et plus que revu dans cette chaîne puisque nous parlons du pantalon. Mais oui, je vous écoute, je vous écoute. Enfin, je vous écoute pas, mais je sais que vous connaissez. Pour celles qui suivent la chaîne, du moins, c'est le pantalon Karen de Majam, anciennement Munasiu. Je l'ai réalisé en taille 56. C'est un patron qui va jusqu'à la taille 58. En fait, le 58, pour moi, il est trop grand. Le 56, il est devenu trop petit. Donc, ce que j'ai fait pour la dernière version, en sachant que j'ai quand même de la marge, c'est que j'ai rajouté 2 cm au patron et j'ai cousu à 1,5 cm. C'est un patron qui avait déjà des marges comprises, je ne les ai pas retirées pour faire cette modification et ça va très bien. Je vous montre une des versions que j'ai cousues puisque j'en ai cousu 2 encore, c'est une flopée de Karen dans mon armoire. Et le voici. Donc le voici, le pantalon Karen dans un tulle de coton de chez Pretty Mercery en vert cette fois-ci. C'est le même tissu que le pantalon que je porte actuellement, sauf que celui que je porte actuellement c'est le beige que vous avez déjà vu et qui est aussi sur Instagram sur le même compte, à cœur la couture. Et donc à l'intérieur il est un peu style flanelle ou si vous voulez un peu gratté, ce qui lui confère extrêmement de douceur. C'est un tissu qui est plutôt épais et vu que c'est un 100% coton, il tient chaud quand même, en plus de la petite flanelle à l'intérieur. J'ai rajouté comme à mon habitude plus de passants que ce que le patron il en propose. Parce que j'aime pas en fait quand sur le côté ici, au niveau de la taille, sur le côté, il n'y a pas de passant et que ça a tendance par exemple à tomber. L'autre modification habituelle aussi, c'est les poches à l'arrière. J'ai joué cette fois-ci avec les rayures.
pour donner un petit style au pantalon. L'autre, le deuxième que j'ai cousu, c'est le même tissu, sauf que la couleur, c'est pas la même. Je vais vous montrer une chute. Le voici, j'ai que des chutes du tissu bleu. Et j'ai fait tout à fait la même chose que pour le précédent, à savoir que le pantalon carène, je vais poser ça ici, le pantalon carène donc de ma jambe, c'est un pantalon 7/8, loin d'avoir ce jeu carré. Le tissu que j'utilise, c'est pas un tissu qui est recommandé par la marque, puisque ce pantalon, c'est plutôt pour être cousu dans des pantalons fluides. D'expérience, j'ai cousu plein de pantalons carène dans du coton ou un jean souple et ça va très bien. Donc, si vous voulez y aller, allez-y. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à cela? J'ai pas eu de difficulté. Vu le nombre de fois que je l'ai cousu, n'est-ce pas? Je n'ai pas entoilé les pièces au niveau de la ceinture et le 1,5 cm de marge de couture que je vous ai parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas appliqué au niveau de la ceinture. Là, j'ai gardé 1 cm de marge de couture quand j'assemble la ceinture au reste du pantalon. Pareil pour les poches arrière, la marge de couture reste de 1 cm. Le prochain patron, c'est une nouveauté. Oui, je ne couds pas toujours les mêmes patrons. Parfois, ça m'arrive de coudre d'autres. Parfois. Il y en a quelques-uns aujourd'hui. Donc, c'est la blouse Laurel de Sophie Denis que j'ai cousue dans une viscose que j'avais présentée en haul de Craftine. Fait un moment que j'avais ce projet en tête et entre-temps, en fait, il a été mis de côté au détriment d'autres projets. Et enfin, je l'ai réalisé. J'ai sorti le coupon de l'armoire pour le faire. Donc, en soi, j'ai pas eu de difficulté. Le voici. Donc, il est en bicolore, bimotif, si vous voulez, parce que la couleur, c'est la même. Là, nous sommes sur une viscose à, comment je dirais, c'est pas des pois, des confettis, si vous voulez, argentés. Et ici, sur la manche, on est sur un sergé de viscose qui est uni. Donc, les deux tissus viennent de chez Craftin. Ça fait, comme je dis, un moment que je les avais. Les modifications par rapport à ce patron au niveau des pinces, il n'y en a pas, puisque je pense qu'il fait partie des patrons qui ont été revus par Sophie, puisqu'elle a revu son tableau des tailles et donc apporté quelques modifications qu'on lui rendait souvent, c'est-à-dire par exemple au niveau de la hauteur des pinces. Souvent, elles étaient trop hautes, je crois. Ce patron, sa caractéristique qui m'a attirée, c'est l'encolure en V avec, alors ça, la parementure, ça ne va pas du tout attirer, mais donc qui est finie par une parementure. Et ce col montant, en fait, qu'on voit ici. Et je trouve que ça rend ce vêtement assez versatile, dans le sens où, en dépendant du tissu que vous utilisez, vous pouvez faire des versions plus ou moins habillées, qui peuvent être adaptées à des situations un peu plus quotidiennes, mais aussi bien à des situations un peu plus exceptionnelles, du style les fêtes de fin d'année. L'autre modification que j'ai faite, c'est les bracelets de manche. Normalement, ils sont pas aussi larges, donc moi, je les ai élargis et j'ai mixé la version A avec la version B, puisque ce patron a deux versions, une où le dos
il est en une seule pièce. Ici, mon dos, il est en deux pièces. Vous avez le haut du dos qui est doublé, chose que vous pouvez ne pas faire. Et la version, donc ça appartient à la version A, qui vient avec des poignées de manches avec un nœud en fait. Et moi, du coup, j'ai choisi la finition de poignée de manche dans la version B où le dos est en une seule pièce, mais nous avons ce bracelet de manche. Donc, j'ai fait un mixte des deux pour obtenir ceci. Je l'ai porté déjà plusieurs fois et elle est, ma foi, très agréable. C'est devenu un essentiel en fait dans ma garde-robe. Je pense que vous verrez d'autres versions. Il faut encore que j'ai le tissu, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Mais j'aime vraiment en fait le porter de tête que ça donne au niveau avec cette encolure et patron, c'est un patron que je n'ai jamais cousu non plus et que d'office je l'ai hacké. Normalement, je fais la version originale et après je hack. Là, ça a été direct, je hack. Très pratique la chose. Et donc, j'ai voulu faire une veste pour rester plutôt à la maison avec un tissu que j'ai acheté chez Dressenstoffen exprès. Je l'ai payé une misère, je crois 4 euros le mètre ou 5. Puisque je crois que j'ai payé 10 euros par là. Et du coup, j'ai hacké la veste Madou de fibre mood. Je vous mets le petit visuel. La première modification que j'ai effectuée, c'est les poches plaquées sur le devant que vous avez pu voir. Je ne les ai pas du tout rajoutées. Voici Madou en version peau de mouton. Voilà, cherchez pas les raccords, il n'y en a pas, j'avais pas assez de tissu déjà pour faire la version de base. Les petits bracelets revers de manche que sont pas du tout prévus sur le patron. Et j'ai rajouté une bande en bas de la veste pour les rappeler. Je n'ai pas de système de fermeture, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bouton ou fermeture. Et de l'autre côté, c'est aussi sans rien, puisque c'est quelque chose que je porte à la maison, que je retire et que je remets selon besoin. Alors, elle a quand même un certain poids. Je vous avoue, je ne pensais pas qu'elle serait aussi lourde, mais c'est le tissu qui veut, tissu qui bouloge quand même pas mal. Là, je l'ai laissé, vous le voyez peut-être, sinon je vous mettrai une image rapprochée. Il y a quand même pas mal de bouloches. La petite chose que ça me déplaît, entre guillemets, que c'est pas pratique, c'est le fait que les poches, elles sont dans la couture de côté. Et en fait, je trouve que pour avoir la poche, il faut reculer énormément la main, ce qui n'est pas forcément pratique. Au niveau du col, j'ai fait la finition avec un biais. À un moment, je me suis posé des questions par rapport à l'épaisseur, si la machine allait les passer, parce que il y a une certaine épaisseur. Je ne sais pas si elle va tenir dans le temps, vu comment ça bouloche, à vrai dire. Néanmoins, elle fait ce que je lui demande, c'est-à-dire de tenir chaud au moment où parfois je suis un peu plus inactive. Et c'est bien suffisant. Le dos, il est en trois parties, puisque on a la partie haute du dos. Et là, la partie basse, en fait, elle est en deux parties. Donc, on a une couture au milieu dos de cette veste. Est-ce que je vais la refaire? Possible, puisque je veux faire une veste courte en blanc cassé. Et il se peut que je réutilise en fait le patron Madou.
L'autre modification que j'ai fait, c'est que la manche, elle est en deux parties. Et moi, en fait, j'aime pas tellement les manches en deux parties. Donc, je les fais en une seule partie pour des questions d'esthétique et de facilité. Par rapport au patron de base, j'ai raccourci la veste de 8 cm, puisque, comme je vous disais, j'avais pas assez de tissu. Et l'autre observation que j'ai pu faire après une fois portée, c'est qu'au niveau du dos, au niveau de la carrure, il me manque peut-être 1 ou 2 cm pour être à l'aise, malgré le fait que la veste, elle est plutôt oversize. J'ai fait la taille 3XL, en sachant que le patron, il va de XS à 3XL. Donc, à part faire la petite modification au niveau de la carrure, pour le reste, je ne suis pas entravée dans mes mouvements. Le tissu, celui-ci, c'est un teddy tricoté, voilà, de chez Driss & Sofen, comme je vous avais dit. Eux, ils proposent de faire la veste madou en tuile de coton, jean, lin, tencel, gabardine. Ce qui, par exemple, le lin et le tencel, ça changera complètement le tombé, par exemple, par rapport à un tuile de coton. Il y aura moins de structure et je suis pas sûre que ça soit à l'œil agréable, mais ma foi, ça reste en effet possible. La prochaine version que je ferai, ça va être probablement dans un tuile de coton, 100% coton en blanc cassé, je pense que c'est un blanc cassé. J'ai déjà le tissu. Après, je vais raccourcir cette fois-ci encore plus la veste, parce que comme je disais, je voulais une veste qui soit assez courte. Soit pour cette veste courte, j'utilise Madou ou alors le patron de Direndo. C'est une genre de surchemise, mais on a une version courte dans laquelle, par contre, je ne mettrai pas l'élastique. C'est aussi une possibilité. Je verrai quand le moment viendra, mais c'est un projet que j'ai déjà mentionné sur la chaîne, puisqu'il s'agit le soutien-gorge Willowdale Bra de Cashmerette. C'est une marque nord-américaine, canadienne si je me trompe pas, mais je suis pas sûre. Ce patron est spécifique aux grandes tailles. D'ailleurs, c'est un des principes de la marque Cashmerette. Donc, c'est un patron que pour un tour de sous-poitrine, il va jusqu'aux 142 cm, et en profondeur de bonnet, il va jusque à profondeur J. Donc c'est quand même un patron avec une gamme de taille très 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 élargie. Moi, j'ai déjà essayé des patrons de soutien-gorge avec armature de marque française. Et en fait, à chaque fois, j'ai un problème avec la profondeur du bonnet, malgré le fait que mon tour de poitrine correspond. Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait, ce souci. Là, ce n'est pas le cas. J'ai presque trouvé la bonne taille, mais je n'y suis pas encore. Savoir que je suis à mon quatrième essai. Le premier essai, je suis partie d'une taille, la 46i, et il s'est avéré que l'entre-sein ne se plaquait pas en fait au niveau de mon buste. Donc, soit c'était la profondeur des bonnets, soit c'était la longueur de la bande d'eau. Au niveau de la profondeur des bonnets, j'avais l'impression que ça allait, mais j'étais pas sûre. Donc, sur la toile suivante, j'ai fait une modification en suivant les instructions sur le blog de Cashmerette, c'est une mine d'or en fait, par rapport à leur patron, où on a
beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à faire des modifications. Donc celle-ci, j'ai rallongé la bande d'eau de 2 cm et j'ai refait donc la toile. Et là, il y avait un autre souci qui est apparu, c'est qu'au niveau du pourtour de côté aisselle du soutien-gorge, l'élastique que j'ai suivi selon la taille, l'élastique que j'ai cousu selon ce qui était proposé, s'avère être un peu grand. Donc j'ai refait une troisième toile portable cette fois-ci, complètement l'extérieur en dentelle, puisqu'on a la possibilité de le faire complètement en dentelle ou juste la partie du haut bonnet en dentelle. Et là, la version elle est portable, mais en fait, le matériel que j'ai utilisé n'est pas forcément adapté puisque les élastiques ils sont pas assez larges au niveau de tour de poitrine. Ce qui fait que c'est pas tout à fait agréable et c'est pas encore tout à fait la bonne taille par rapport du coup au tour de dos, je suppose. Donc je vais refaire encore une toile à ce moment-là, n'est-ce pas? Toile que cette fois-ci n'est pas du tout portable. Les matériaux, ils ont encore changé par rapport à celle que j'ai qui est portable. Notamment, j'ai un gros problème, c'est-à-dire que, pareil, au niveau du pourtour côté aisselle, le soutien-gorge ne monte pas assez haut pour englober tout le sein. Alors que sur l'autre, j'ai pas ce souci-là, donc il faudrait que je fasse une prochaine toile en modifiant, en augmentant la hauteur de cette partie-là. Mais il y a plusieurs pièces à modifier. Déjà, premièrement, et ensuite, il faut que j'adapte comme il faut les élastiques cette fois-ci pour qu'on puisse arriver enfin à une version finale. Donc, la dernière version que j'ai réalisée, la voici. Donc, nous avons un dos en forme de U. Le matériel que vous voyez qui est utilisé là vient pratiquement complètement de la box lingerie Je fais mes dessous que j'avais commandé. Je vous parlerai après si vous voulez par rapport, enfin pas si vous voulez, mais je vous parlerai après un peu plus. Mais je vous explique déjà donc le souci, c'est à ce niveau-ci. Donc là vous avez le bonnet et à ce niveau-ci donc il faut que je rajoute un peu de hauteur, donc il faut que je modifie une pièce du bonnet, la pièce qui vient sur le côté ici, plus la basque qui vient de là jusqu'au bonnet et la pièce d'eau qui commence ici et qui va donc jusqu'au fermoir au niveau de la hauteur. Donc à voir si là nous arrivons enfin à la bonne taille. Conseil que je peux vous donner déjà par rapport à ce patron. Si vous aimez les soutiens-gorge de la marque Elomi, le modèle Mathilda et le modèle Charlie, je crois. Celui-ci, il s'inspire énormément en fait du Mathilda. Et le Charlie, c'est presque la même structure, mais pas tout à fait. Mais on est très très proche en fait des deux. Néanmoins, je vous le conseille que si vous avez du vocabulaire en anglais ou que si vous êtes très 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 motivé, parce qu'il faut être persistante. J'ai jamais eu un projet où il a fallu autant persister et faire des tests et j'en ai pas fini comme vous avez pu comprendre. Pour différentes raisons, notamment une des difficultés que j'ai pu avoir, c'est pour définir la taille d'armature. Alors, elle nous est donnée en fait au niveau du patron,
Mais quand j'ai testé l'armature qui est conseillée pour la taille de soutien-gorge que j'ai cousu, ça n'allait pas. Donc j'ai recommandé d'autres avec un format différent. En fait, si vous voulez, le patron il conseille la forme régulière, les extrémités de l'armature arrivent à peu près à la même hauteur. Enfin, à peu près, je crois qu'ils arrivent même à la même hauteur. Pour moi, c'était pas du tout adapté. Il me faut plus de soutien de côté extérieur, en fait, au niveau de la poitrine. Donc, j'ai commandé des armatures qui vont un tout petit peu plus haut. Mais du coup, j'ai dû descendre d'une taille pour que ça soit la bonne mesure du cache armature qu'on applique sur le soutien-gorge. Ça pose pas de problème. Toutefois, en fait, c'est pas encore adapté. Donc, je vais retester une autre armature. Mais en soi, pour moi, en termes de ma morphologie, l'armature qui était proposée en termes de taille n'allait pas. Et malgré la modification de taille, et quand on commence à faire des modifications, il y a plusieurs choses qu'on doit changer en fait. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Les personnes qui cousent de la lingerie avec armature, des soutiens-gorge avec armature, pourront vous le dire en fait, ça peut être compliqué en fait pour trouver déjà sa taille et ensuite le bon matériel. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, si vous décidez de vous lancer dans des soutiens-gorge à armature, partez sur des kits qui sont déjà préparés. Comme ça, vous aurez tout le matériel et du matériel qui va l'un avec l'autre. Parce que souvent, c'est ça qui est aussi compliqué, c'est de trouver tout le matériel au même endroit. C'est presque, si on ne part pas sur des kits, c'est très compliqué. Et ensuite, si on va à des endroits différents, de trouver des couleurs ou des matières qui se marient les unes avec les autres. Ça peut être très chronophage en fait. Ensuite, hors patron, les tissus que vous voyez là, c'est comme je vous disais, des tissus qui viennent de la box. Je fais mes dessous. Je vous avoue, quand j'ai reçu la box, j'étais un peu déçue par rapport en fait à la photo d'inspiration. En partie parce que j'ai pas fait attention, parce que certaines couleurs étaient décrites ensuite sous le descriptif de la box, notamment la couleur bordeaux que nous avons ici. Toutefois, sur la photo d'inspiration de la box, je m'attendais à des couleurs plus vives, en fait. Alors, faute à une image ou à la luminosité, allez savoir. Mais ce que je voyais en fait moi sur la photo d'inspiration et ce qui m'a attiré sur la photo d'inspiration, je ne l'ai pas trouvé dans la box. Ensuite, cette matière ici, très très belle et toutes les matières en fait, c'est de la belle qualité, on le sent. J'ai pu juste un tissu trouver une meilleure qualité ailleurs. C'est le Powernet, ce tissu qui est ici au niveau de la bande d'eau à l'intérieur. Chez Idonin, c'est un Powernet qui est beaucoup plus. Il apporte beaucoup plus de support que celui qui était dans la box, mais celui qui est dans la box, il reste correct. Donc, je vous disais, par rapport à ce petit tissu, c'est en fait un tissu qui est floqué en velours. Le relief, la partie qui fait le dessin, c'est en velours ras. Et d'expérience, les vêtements, en fait, si j'aurais mis ce tissu sur les bonnets, les vêtements, ils vivent pas de la même manière. En fait, c'est un tissu qui a tendance à rester parfois un peu accroché et pas à laisser les autres tissus glisser. J'avais pas envie, en fait, d'être tout le temps en train de remettre mon haut parce que, en fait, ça va retenir un peu le tissu au niveau du bonnet. Mais on peut tout à fait l'utiliser comme là sur la base qui est la partie du dos. Mais personnellement, c'est quelque chose qui m'a un peu frustrée, on va dire comme ça. Parce que du coup, je ne pouvais pas utiliser ce tissu dans l'intégrité du modèle. Chose que j'aurais aimé faire. Sur quoi, même si cette couleur, moi, je ne l'ai pas vue sur la photo d'inspiration.
Ça reste une très belle couleur en elle-même. Ensuite, ici, vous avez la lycra extérieure qui est extrêmement compliquée à couper et à assembler parce qu'elle est très fuyante. Mais le toucher, il est très agréable. Encore une fois, là, on a des couleurs qui se rapprochent, qui se marient très bien avec le tissu précédent, mais qui ne correspondent pas pour moi à la photo d'inspiration parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux, une couleur plutôt fuchsia. Et là, pour moi, on n'y est pas tout à fait. L'autre petit bémol au niveau de la box, et là, c'est pas personnel, c'est comme vous avez pu percevoir par rapport au reste, c'est je trouve pas que c'est assez lumineux par rapport à ce que j'ai pu percevoir, mais ça, c'est un avis personnel. Pareil pour le fait que ça accroche, c'est d'observations que moi j'ai pu faire, mais pour d'autres personnes, ça posera pas du tout problème. Par contre, là où j'ai pas été la seule personne en fait à avoir ce souci, c'est au niveau des bretelles et des élastiques. J'avais choisi, parce que si mes souvenirs sont bons, n'hésitez pas à commenter et à me le dire, mais je crois qu'au niveau du choix de la box, on a le choix par rapport si vous êtes dans une taille un peu plus menue et si vous êtes dans des tailles un peu plus importantes. Donc j'ai choisi la taille par rapport à des box pour les fortes poitrines. Et normalement, sauf erreur, hein, mais encore une fois, n'hésitez pas à me corriger, les élastiques, les bretelles et peut-être les élastiques sous poitrine, je pense qu'ils étaient censés être plus larges. Là, j'ai un élastique qui fait 1,5 cm. Et en fait, ça, c'est pas adapté au niveau de la bretelle, surtout quand on a une forte poitrine, puisque ça apporte pas assez de support et ça a tendance même parfois à blesser. Et à plus de poids vous en avez à supporter, moins c'est adapté en fait. Donc après, les matières, comme je vous dis, c'est de la bonne qualité, c'est des belles matières. J'en ai encore qui restent. D'ailleurs, la toile portable, l'eau, puisque celle-ci, la toile portable, je la porte aujourd'hui. Celle-ci, je ne peux pas la porter, comme je disais, parce qu'elle n'englobe pas assez au niveau de la naissance du sein côté aisselle. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de partir sur des kits au début surtout, parce que on ne connaît pas les matières, on ne sait pas tout à fait ce qu'il faut prendre. Et de surcroît, normalement, dans les kits, c'est adapté pour la lingerie, surtout si c'est un kit qui vous est conseillé par la créatrice du patron que vous allez coudre. Il sera forcément adapté par rapport au patron que vous allez coudre. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que je vous donne, c'est dans la lingerie, quand vous ne connaissez pas encore tout à fait les matières et autres, moi personnellement, pourtant j'en ai cousu déjà pas mal de soutiens-gorge, je ne me lance pas à choisir des matières qui ne sont pas conseillées par les créateurs parce qu'on a une très forte probabilité de se retrouver encore à devoir vérifier la taille, faire des toiles et à savoir que les toiles, il faut les faire dans le même style de tissu. Dans le même tissu qui a les caractéristiques, en fait, dans le tissu qui a les mêmes caractéristiques plutôt que le soutien-gorge qu'on va faire à la fin. Donc, à un moment donné, ça commence à chiffrer, en effet, non seulement en temps, mais aussi en budget. Par contre, je sais que quand j'aurai trouvé la bonne taille avec ce patron ou avec un autre, peu importe, je vais faire des économies parce que. Alors, personnellement, je l'achète chez Elomi, mes soutiens-gorge, parce que c'est ceux qui m'apportent le plus de support et de bien-être, on va dire comme ça, parce que je me sens bien avec. Je les paye 60 euros pièce. Il n'y a pas souvent des soldes. Donc, à un moment donné, ça fait mal. Je vous laisse pas avec des images portées. Et on passe au prochain patron. Le prochain patron, c'est le dit projet d'hiver. Si vous avez suivi sur Instagram, j'avais parlé d'un projet d'hiver et donc c'est celui-ci. Je l'ai fait entre deux toiles
de soutien-gorge en me disant bah, je vais me mettre sur un autre projet, ça va me changer les idées, parce que ça peut être frustrant en fait de faire autant de toiles et de ne pas réussir à arriver à un résultat probant. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Oui, mais je n'ai pas choisi une chose facile, non. J'ai choisi de faire un trench. Un trench long. Oui. Voilà. Donc, je vais vous parler du trench Isla de la marque Named Clothing. C'est Sophie une marque australienne qui va jusqu'à la taille 56. En tout cas, c'est le cas pour Isla. Mais je pense que tous leurs patrons vont jusqu'à la taille 56. J'ai utilisé une gabardine de coton pour l'extérieur de chez Benitex et pour la doublure, j'ai utilisé un satin de coton qui vient aussi de chez eux. Je vous laisse surtout avec les images portées en fait au fur et à mesure et je ferai des close-ups. Je ne vais pas forcément le prendre là avec moi parce qu'il est assez lourd. Il est assez long. Et je vais plutôt, au fur et à mesure que je vous parle, faire des zooms en fait sur ces points-là. J'ai pas eu énormément de difficultés, mais j'en ai eu quand même quelques-unes. Premièrement, je ne comprenais pas le montage des manches tailleur parce que je me suis acharnée, c'est le cas de le dire, sur le fait que je voulais monter ces manches à plat. Je n'aime pas monter les manches quand elles sont déjà fermées, donc je voulais monter ces manches à plat. Or, la façon comment je me positionnais, même la manche tailleur par rapport à son design en lui-même, je ne pouvais pas la monter à plat. Et mais je me suis quand même acharnée. Donc, à un moment donné, j'ai quand même compris. Ça va. Il faut l'expliquer longtemps, mais elle comprend. Et donc j'ai pu avancer sur ce point-là. Mais c'est la première fois en fait que je faisais des manches tailleur, comme quoi on apprend toujours. Donc j'ai bien compris que on peut pas les monter à plat au corps du vêtement. Ensuite, l'autre point que j'ai eu pas mal de difficultés, d'une part parce que ça faisait énormément de tissu à manipuler. D'une autre part, parce que je ne comprenais pas tout à fait les explications en fait par rapport à ce qu'on me disait, par rapport au schéma, j'arrivais pas à comprendre ce qu'on me disait de faire. J'ai eu du mal en fait à savoir que les instructions c'est en anglais, donc il faut un peu de vocabulaire et même si je parle anglais de manière fluente. Des fois, par rapport au domaine dans lequel vous allez être, il y a des termes très spécifiques et si on ne les connaît pas, on a un peu de mal à les comprendre. Et de surcroît, des fois, Google Traduction n'est pas votre meilleur ami. Là, c'était le cas. Tant bien que mal, j'ai réussi à donc effectuer ce point technique qui était la fente au niveau de ce trench qui le caractérise. Et voilà, comme je dis, tant bien que mal, j'ai réussi. Mais ça m'a pris du temps. Je pense qu'en tout, par rapport au nombre important de pièces qu'il y en a, puisqu'il y en a en tout 25, si je ne me trompe pas, vous avez les pièces pour la partie extérieure de trench, les pièces pour la partie intérieure, donc la doublure de trench. Et en tout, je crois qu'il y a 25 pièces. Après, il a fallu entoiler. Bien sûr, une fois que j'ai fini de décalquer, découper le décalque et couper le tissu, rien que ça prend déjà énormément de temps. Et puis la couture, je pense qu'en tout, si je compte bout à bout, j'ai dû passer plus de 15 jours, enfin j'ai dû passer 15 jours, oui, à coup sûr, sur cette cousette, qui en soi n'est pas tout à fait terminée parce que je lui ai mis des boutons qui ne sont pas censés rester. J'attends les bons boutons puisque sur le PDF en fait je n'ai pas de taille en centimètres de boutons et c'est en farfouinant que j'ai trouvé que c'est sur le site en fait qu'ils indiquent la taille précise des boutons. Sur le PDF ils restent plutôt vastes, ils disent taille moyenne, voilà, pour moi ça ne voulait pas dire grand chose.
Donc, j'ai pris un pack de boutons, mais qui s'avère être adapté pour la partie manche, en fait, mais pas pour le reste du corps. Donc, j'attends les grands frères des boutons que j'avais déjà pour les mettre sur le trench. Mais ça va venir. C'est juste que ça met 2 mois à arriver. Voilà. C'est un peu long. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, par rapport au modèle de base, j'ai retiré quelque chose que moi ça me plaisait pas. En fait, vous avez une genre de lanière au niveau du cou pour fermer. En fait, je suppose, en regardant la chose, c'est ce qui en sort. Pour fermer au niveau du cou, moi en fait, ça me plaisait pas, donc j'ai retiré cette lanière. Il y a aussi du coup les passants qui étaient nécessaires pour la tenir. J'ai cousu la taille 56, je sais plus si je vous l'ai dit, la taille que j'ai cousue. Et au total, sur cette cousette, il y en a pour plus de 7 mètres de tissu. Donc, à la fin, vous arrivez à un moment donné, il faut manipuler tout cela, notamment pour faire la fente. Ça devient coriace. Ça se fait, mais ça devient coriace. De surcroît, quand vous ne comprenez pas tout à fait la chose que vous devez faire, ça devient encore plus coriace. Mais le voilà, j'ai réussi quand même à le faire et je l'ai porté le jour même que je l'ai terminé. Parce qu'il pleuvait. Voilà. Donc il a été testé, il est approuvé, c'est bon. Alors, chose très pratique que j'ai vue sur ce patron, c'est qu'au niveau d'écran sur le patron, le papier, on vous donne des noms par rapport à certains crans pour que vous sachiez à quoi ça correspond plus facilement. Le fait est que, alors c'est très intelligent de faire ça, néanmoins, quand nous, on va couper le tissu, on va pas marquer sur le tissu à quoi ça correspond ce cran en fait. Et personnellement, moi quand j'ai un nombre important de pièces comme ça, je laisse pas mes décalques avec la pièce que je viens de découper. Je fais des petits carrés avec le chiffre ou la lettre qui correspond à cette pièce-là. Et je le fixe avec une épingle ou avec une pince. Et je plie le tout, je fais une montagne, on va dire comme ça, une petite montagne. Avec toutes les pièces que j'ai coupées, à savoir que j'ai procédé par, je coupe en premier l'extérieur et ensuite la partie doublure. La partie doublure, elle n'a pas juste la gabardine de coton, puisque la manche, en fait, à l'intérieur, elle est en satin de polyester pour faciliter le fait qu'on passe le bras. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à partir du moment où... Si on laisse en fait la pièce décalquée avec le tissu qu'on vient de découper. Vu que moi, en fait, je fonctionnais pas comme ça. Le cran, le fait d'avoir le nom du cran, je peux pas en fait le transcrire sur le tissu. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant en fait et que j'avais jamais vraiment vu ailleurs. Peut-être que j'avais déjà vu, mais pas autant. Mais là, il y en avait vraiment pas mal de crans en fait avec des indications par rapport à quoi qu'est-ce que c'était en fait ce cran. Lors du décalquage, j'ai eu une difficulté en fait, c'est que vu que les pièces elles sont très longues, même en feuille A1, la pièce elle tient pas dans une feuille. Et donc vous avez un repère pour quand on est en train de décalquer, venir faire l'assemblage avec le reste de la pièce qui va être dans une autre feuille A1. Le repère qu'on a, moi je trouve qu'il est très petit en fait pour qu'on puisse bien se positionner, pour qu'on puisse compléter, avoir notre pièce complète. Je pense que le fait d'avoir 2 repères plutôt qu'un juste au milieu, ça aurait été plus adapté, ça aurait facilité en fait le décalquage vu qu'on est censé, on est obligé en fait de passer d'une feuille A1 à une autre feuille, ce qui en soi c'est déjà pas forcément plaisant. Mais bon, ça se fait puisque je l'ai fait, c'est juste que il faut faire un peu plus attention. Je vous laisse avec les images portées et on passe au dernier patron.
Le dernier patron, c'est aussi un patron que je n'ai jamais cousu. C'est en soi un hack, puisque il s'agit d'une robe chemise, mais moi je l'ai fait en version chemise. c'est la robe chemise Runa de la maison Victor, le magazine janvier-février 2020. Je ne sais pas du tout s'il est encore disponible. Je ne sais pas du tout si on peut encore d'ailleurs le trouver sur le site de la maison Victor, puisque normalement il fermait au mois de janvier, mais je ne sais plus à quelle date. J'ai acheté ce magazine suite à la vidéo de Raphaël Devienne, qui elle a cousu aussi la robe chemise Runa, entre autres. Et en fait, elle disait que le tombé, il était très bien par rapport à d'autres chemises qu'elle avait pu coudre. Et que c'était en fait la chemise ou la robe chemise qui lui convenait. Et vu que moi, je n'étais pas complètement satisfaite de la robe chemise Suzanne de Fibre Mood, puisqu'elle tirait en arrière en fait, je me suis dit, bah, je vais la tester puisque ça va jusqu'à la taille 56. Chose faite. Et je peux confirmer ce que Raphaël Devienne disait, elle tombe très bien, j'ai pas eu de modification à faire. Je n'ai pas touché j'ai juste touché en fait au niveau de la longueur du patron, puisque j'ai fait la chemise. La difficulté, c'est une difficulté 2 sur 4, ce que je confirme, elle n'a pas de choses très très compliquées, même si vous n'avez jamais monté un col ou un pied de col, les explications du magazine, ils sont très clairs sur ce point-là. Je vous montre ici la première version. Donc c'est un tissu flanelle de coton fine qui vient de chez Pretty Mercery. Je me suis dit, bon, bah, si ça passe, ça passe. Sinon, ça sera pour un pyjama. Hein. Et ma foi, c'est passé. La seule chose que j'ai dû modifier sur la deuxième version par rapport à ma première version, parce que celle-là, je l'ai fait totalement en accord avec le magazine, c'est au niveau des poignées de manche. Puisque avec la montre, en fait, j'étais un peu étriquée. Donc, j'ai élargi un petit peu à ce niveau-ci, mais même pas un centimètre en soi. Cette version-ci, j'ai dû la finir au biais au niveau du bas parce qu'elle était courte. Je n'ai pas assez. Là où j'ai décidé de arrêter la partie chemise, c'était pas assez longue. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai fait sur la deuxième version. Le col et le pied de col, je les ai pas entoilés. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de le faire des chemises, que c'est votre première ou deuxième, faites-le. Moi, j'ai utilisé une triplure. Pour donner un peu de maintien. Au niveau des pattes de boutonnage, c'est la patte de boutonnage simple. Les boutons, c'est pareil, ils viennent de chez AliExpress. Vous m'avez aidé sur Instagram d'ailleurs à les choisir. Et ma foi, je suis très contente en fait de cette chemise qui reste agréable à porter et qui ne sera pas du coup un haut de pyjama. Et donc, fort contente de cette version, j'ai refait une version que j'ai terminée hier. Et là aussi, vous m'avez aidé, entre guillemets, à choisir les boutons parce que j'ai mis paillettes, pas paillettes. Et en fait, à la fin, pour les boutons, j'ai fini avec un 50-50 et j'étais au point zéro, en fait, parce que je ne savais pas quoi choisir. Donc, j'ai tranché. Ici, vous avez une version en popeline de coton de chez Driesenstephen que j'ai payé 4,50 € le mètre. Et donc, c'est les boutons en paillettes qui ont été choisis en couleurs différentes parce que je ne savais pas laquelle choisir. Et donc, j'ai choisi de mettre les deux. Voilà. Pour la prochaine version, il faudrait que je fasse plus attention au placement des boutons parce que je me suis retrouvée à devoir rajouter un bouton
Puisque vous savez très bien, quand on a une forte poitrine, le placement des boutons montre son importance, puisque ça empêche la chemise de venir s'entrouvrir, on va dire comme ça. Il faudrait que je fasse un peu plus attention à ça. Et pour cette version, je n'ai pas fait le col, j'ai juste gardé le pied de col parce que je voulais faire une version que j'avais en tête, en fait, par rapport à une tunique que j'avais eue par le passé. C'est pas tout à fait ça, hein, mais c'est pas grave, elle est quand même portable. Elle est plus longue donc que la précédente. Faut juste que je fasse attention au niveau du col parce que la partie qui devait faire la triplure s'est retrouvée à l'extérieur, en fait, parce que j'ai mal positionné les pièces. Et j'aurais peut-être un petit souci avec à un moment donné, mais en soi, le tissu, il est superbe. Même monsieur, il est en mode, oh, il est beau. Donc, alors que lui, vous lui demandez l'avis, il est en mode, il sait pas, en fait. Et là, il est beau, le tissu. Donc, l'autre petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai fini cette fois-ci. Ici au niveau du pied de colle par un biais rapporté par choix, faut le dire, par fainéantise aussi, parce que j'avais pas envie en fait de faire tout le long en centimètres rentrés au niveau des coins, c'est parfois un peu au moment de le rentrer et de le coudre. En fait, c'est souvent un peu compliqué pour avoir quelque chose de propre. Je m'explique peut-être avec le premier modèle. Là, vous voyez, au niveau du col, c'est pas toujours droit. Et ça, en fait, je sais pas en soi comment mieux faire. C'est-à-dire que je rentre un centimètre d'un des côtés, je choisis de coudre à l'extérieur et la partie avec le 1 cm que j'ai rentré, je le mets à l'intérieur et je fais ma piqûre du côté extérieur pour qu'elle soit droite à l'extérieur en fait. Là à l'extérieur, normalement, vous verrez, elle est plutôt droite. Mais quand je regarde donc à l'intérieur, c'est pas hyper propre. Je sais que ça peut être mieux, mais en fait, en termes de technique, j'ai du mal à visualiser comment on peut mieux faire, sauf le faire à la main. Mais vu que vous savez que moi, la couture à la main, c'est pas ça, hein. Quoique sur cette chemise, les poignets, ils sont quand même faits à la main, à l'intérieur, mais c'est pas quelque chose auquel je tiens forcément. Mais je commence de plus en plus à me demander si je ne vais pas commencer à utiliser cette technique-là en fait pour avoir quelque chose de plus propre à l'intérieur. Parce qu'en fait, la chemise, elle a visuellement, elle est bien, elle est agréable à regarder. Et puis vous arrivez à ce moment-là et votre cerveau fait voilà. C'est en mode ça va graisser la rétine, quoi. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire en fait en commentaire parce que bah, du coup, ça pourrait m'aider. Et aider d'autres personnes aussi. Ah oui, j'ai fait une autre modification que j'ai oublié de vous dire. C'est que j'ai rallongé les manches de 4 cm. Heureusement que je l'ai fait pour la chemise. Mais sinon, j'ai pas en fait touché au patronage en lui-même en fait de la chemise. La chemise, alors, chemise si, je l'ai raccourci. Mais autrement, j'ai rien touché à part rajouter les 4 cm au niveau des manches et je peux vous confirmer qu'il va y avoir d'autres. Elle est déjà coupée, la prochaine version, elle n'est pas encore assemblée, mais elle est à prendre. Le petit souci que j'ai actuellement, c'est que ma machine, elle a grand besoin de partir en révision, puisque de surcroît, alors c'est le moment qu'elle y aille en révision, mais de surcroît, j'ai
Là où on fait les canettes qui fonctionnent pas comme d'habitude, donc il faudrait que je l'envoie. Ce qui fait que je ne vais pas coudre énormément par la suite. Et si en plus après je reprends donc l'université, j'aurai encore moins de temps pour coudre. Néanmoins, il me faut des vêtements, certains types de vêtements pour aller à l'université. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de chemises, un peu plus de pantalons aussi. Et que le projet donc de cette année-ci, c'est le blazer. Vous êtes au courant si vous êtes sur Instagram que vous avez regardé à peu près. J'ai parlé par rapport au projet de cette année. Donc l'année dernière, c'était le trench. Cette année, c'est le blazer. J'ai le patron, j'ai les tissus, il n'y a plus qu'à. Donc je pense que c'est un des projets qui va me prendre le plus de temps là dans les prochains mois à venir, sur lequel je vais me pencher avec les soutiens-gorge, bien sûr. Merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. Je pense qu'il y aura une autre vidéo pardon, bientôt, un haul cette fois-ci, puisque j'ai acheté un peu de tissu. Je pense pas faire les soldes, mais ne disons pas jamais. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!